Il paraît que les belles découvertes sont souvent le fruit du hasard. En tout cas, c'est une théorie approuvée par les époux Vaxeler, gérants de la ferme au Petit Gravier, à Saulxures-sur-Moselotte. Tout a commencé avec la mise en place du confinement. La vente chutant soudainement, il a fallu réorganiser la production en privilégiant des fromages de garde. On avait laissé un peu de côté nos masters. Enfin, il y a un lot qu'on a dit à l'op, celui-là. On le laisse de côté, on n'a pas trop de place dans notre cave, on verra ce que ça donnera. Et en fait, au bout d'un petit mois d'affinage, on en a goûté un. Donc voilà des confinés. Des jeunes confinés qui démarrent leur croûte. Donc en fait, il a chopé une croûte à un peu l'ambiance de notre cave, donc l'ambiance des barcasses, du master, de notre petit blanc, notre style de camembert. Donc ça a fait une croûte assez jolie. Et en fait, en goûtant, on s'est aperçu qu'il avait un petit goût bien à lui et qu'il était super sympa. On va essayer, on va goûter. Une moitié comme ça ? Oui, une moitié. Le nom est alors tout trouvé, le confiné. Un fromage crayeux à cœur et plus coulant sous sa croûte grisâtre. Contrairement au Munster, quotidiennement lavé pendant 21 jours, celui-là s'est affiné tout seul pendant 4 semaines. Le résultat fait déjà des adeptes puisque la soixantaine de fromages a trouvé preneur. Il y a eu tout de suite un petit engouement, peut-être le nom qui est sympa aussi. Voilà, le confiné, ça nous rappellera un petit peu la période. Et donc... On arrive déjà à la fin du premier lot et on est en train d'en affiner des nouveaux, du coup. Bonjour, alors je voudrais un confiné. Preuve qu'ici, le confinement a eu du bon. Ben oui, il y a des bonnes choses, vous voyez, des nouveaux produits qu'elle n'avait pas avant. J'aime beaucoup le Munster et je veux goûter celui-ci. Les quelques points de vente partenaires de la ferme aussi se l'arrachent. Un succès qui a convaincu le couple de faire une deuxième tournée. En cours d'affinage, les confinés seront disponibles dans quelques semaines.